Hola todo el mundo es Nagamiito y ahora somos ensemble. Oui, non, je vous rassure, je parle très bien français. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble sur Dofus. Et oui, parce que Dofus, j'ai toujours voulu faire une vidéo dessus. Et puis voilà. Non, je déconne, aujourd'hui, nous sommes sur Modern Warfare 2 en multijoueur sur le Xbox Live. Parce que oui, j'ai une Xbox et je peux pas jouer au PSN ni. Attends, enfin, bref, je m'étale. Et donc c'est une petite vidéo encore une fois en commentée en live, on change pas une recette qui gagne, vous savez quoi, je vais garder cette classe Owned que j'avais faite il y a très longtemps parce que Modern Warfare 2 ça fait très longtemps que j'ai pas joué et je me suis dit autant y jouer parce que Modern Warfare 3 ça me sort un tout petit peu par les trous de nez et comme Call of tout le monde a besoin de sa dose de Call of hein. J'ai décalé sur Modern Warfare 2 donc on va se retrouver tout de suite à la barre de chargement parce que j'ai pas envie de nous faire attendre. Donc nous revoilà sur le temps de chargement d'une mêlée générale sur Afghan. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous sommes en mêlée générale sur Afghan. Donc, plusieurs choses au point du jour. Finalement, ça m'a laissé le temps de réfléchir un tout petit peu. Attendez, j'ai juste coupé le son de mes enceintes parce que entendre deux fois le bruit du jeu, ça me stresse un peu. Voilà. Plusieurs choses au point du jour. Alors, premièrement, mon introduction. Enfin, vous savez, mes introductions, je les fais un petit peu à la va-vite. Je sais pas trop si les intros espagnoles sont adaptées à mes commentaires. Enfin, à mes commentaires. Non, à ma propre personne. Hein, vous savez, je. Ouh, lui, je sens que c'est un booster. Lui, je sens que c'est un putain de booster. Donc, un teabag, ok. Non, je ne suis pas là pour juger les gens. Je t'ai vu. Olé, alors que je voyais absolument rien. Et donc faites-moi parvenir si vous avez des introductions originales à me pro. Ouh! Ah dommage! Dommage. Si vous avez d'autres introductions à me proposer, écoutez, je suis preneur. Donc premier point du jour. Attends, ça va être en. Allez, on va essayer de faire ça en 3, 4, 5 points. Ouais, on va dire 5 points. Donc le premier point est passé, on va passer au deuxième point. Qui est une dédicace. Dédicace à qui? Dédicace à toi qui a pris très cher, Michael Bonne. Et une autre dédicace à Thomas, enfin plus connu sous le nom de. Sous le surnom de Hytropix, qui, pour rappel, hein, participer. Enfin, participait même pas, c'était une personne du corps principal du Back to the Past. Ouh, dommage. Et donc, il fête ses 18 ans aujourd'hui. Attends, aujourd'hui, nous sommes le quel jour? Nous sommes le 15 février, je sais plus quel jour je crois. On est le mercredi 15 février. Et aujourd'hui, il fête ses 18 ans. Donc, laissez-lui un petit commentaire parce que je suis sûr, même un très gros commentaire avec plein de bisous. Vous lui dites que vous l'aimez très fort, etc. Et que vous voulez absolument son retour. Parce que vous, la série lui manque. Ah, la série vous manque surtout. Non, on va pas chipoter. Et olé! Donc, alors, vous voyez. Oh non, aussi pendant que j'y pense. Putain, mais décidément, je mets des trucs, mais amazing quoi. Amazing, comme le dirait un certain podcaster français. Amazing! Oh, lui par contre, il l'a pas pris. Alors, vous êtes bien d'accord? On est à je ne sais pas combien de minutes d'enregistrement. Ah, ouais, bon, voilà, hein, il l'a pas pris de cours. Et je crois que je vais aller me cacher parce que j'ai pas envie de me faire péter par le harrier. Et oui, donc Nassim. Deuxième dédicace à Nassim qui lui aussi a fêté ses 18 ans, mais par contre lui c'était au mois de novembre. Allez, on va attendre quelqu'un, non? Si, quand même. Oh, oh. Et toi tu vises comme une brêle. Qui a fêté ses 18 ans au mois de novembre, donc laissez lui aussi un message, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Donc alors à Tropix et à Nassim, voilà. Bon, ok. Ramène ta fraise. Ah, mais il est plus là? Non, j'ai pas de rapid finger, j'ai un rapid fire. Non, c'est l'image inverse que je voulais faire passer. J'ai pas de rapid fire, j'ai un rapid finger. Un rapid finger, c'est quoi? C'est des doigts qui tirent super vite. Bon, voilà, c'est bon, je me... Ok, j'ai tiré mon petit coup de gueule à côté, donc je joue à l'intervention. Pourquoi l'intervention? Et en plus, belle chemisée en plus. Et parce que. Pourquoi? Parce que. On s'est souvent plaint que je pouvais pas. Que j'ai pas fait de gameplay au sniper. Parce qu'on me dit, ouais, mais fais des gameplay au sniper, c'est trop bien. En plus, on va montrer comment t'es noob et tout. Mais je lui fais, écoute, mon gros, moi je peux pas sortir des vidéos toutes les 24 heures, donc voilà, on fait comme on peut. Et donc, pour ceux qui l'attendaient, voici la vidéo au sniper. Pour le bonheur des uns et pour le malheur des autres, hein, je suis désolé, je peux pas satisfaire tout le monde, je peux pas être partout à la fois.
Hop là, non, c'est bon, ça me saoule. Et ça y est, le mode rage, il commence à être en mode on. Et où, toi, je t'ai vu. T'es où? Et paf, dans ta petite tête, mon cher ami, un dédicace. Encore une fois, à Michael Bone. Oh putain, le pauvre, mais décidément, il prend cher avec moi. Ouais, allez, tiens, prends. Allez hop, tu crois que tu. Mais tu croyais faire quoi avec moi? Hein? Tu croyais faire quoi? Hein? Hein? Tu cherches la bagarre? Hein? Et donc voilà, bah. Vous l'avez enfin votre gameplay à l'intervention. Donc, alors, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure avec iTropix, je vais revenir sur la série Back to the Past. Back to the Past qui va finalement reprendre, mais sauf que ce ne sera pas avec lui, tristement. Ce sera avec Heroic Xperia qui prendra la relève le temps que iTropix se redégote du live. Et puis bah voilà, bah c'est vraiment histoire de pouvoir continuer la série, parce que vraiment j'aime pas laisser quelque chose en suspens, et puis si je laisse quelque chose en suspens, c'est vraiment parce que ça me plaît pas et que ça vous plaît pas. Et puis voilà. Mais alors lui, c'est vraiment une kékette, mais je sais pas ce qui pour information, c'était le mec là que j'ai buté dans le petit coin là-bas là. Enfin, dans le petit coin par ici là. Et qui n'avait pas visé. Alors, deuxième autre chose. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Oh, Morphine, le pauvre, je l'ai mis en Morphine. Mais il s'est pas joué ou bien? Bah voilà, hein. Ouh, pas mal, j'ai fait un truc de ouf. J'ai fait un super défi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, alors aujourd'hui, l'heure est très grave, mes amis. Pourquoi l'heure est très grave? Pour la simple et bonne raison que l'ACTA et la SOPA est. Et là, tout simplement, vous savez, c'est une loi américaine, mais genre, ouh, le commando qui est pas passé. C'est une loi américaine qui est super violente, et pour ma part, je l'ai apprise uniquement par la fermeture de Mega Upload. Mega Upload qui, quand même, est un des sites, mais genre, incontournable pour ceux qui auraient téléchargé des choses de manière, bien évidemment, tout à fait légale. Allez, hop là, prends ça dans tes dents, tu croyais que m'avoir avec ta petite tête qui sortait uniquement. Mega Upload quoi, c'est la fin de tout un monde. Oula, il est où? Allez hop, je vais prendre ta trouille. Non, oh, putain, pourquoi il est resté? Ah, allez hop, on va se cacher. Dommage, ça aurait été très beau. Et honnêtement, quand je vois des amis qui gagnaient leur vie sur Mega Upload en l'utilisant en tant que plateforme de stockage, hein, tout simplement. Ça les a démotivés, surtout qu'il y en avait certains qui a payé des comptes à vie. Bon, encore une fois, je sais qu'il y a des pour et des contre avec mes. Enfin, il y a des choses légales et un petit peu moins avec Mega Upload, mais bon, ça reste quand même un site qui rendait service à beaucoup de gens. Ouf, franchement, si je gagne la mêlée G là, je serais content de moi. Hop là, double couteau. Et l'ACTA et la SOPA, bon, pour ma part, je me suis légèrement documenté sur Wikipédia, de Free Encyclopédia. Et il disait là-dessus, il me semble que c'était, enfin c'est une loi, comme je disais comme ça, hein, qui touche le copyright et tout ce qui est droit d'auteur, etc. Bon, j'ai pas trop capté ce que c'était, mais tout ce que je sais, c'est que, alors il y a un pote à moi qui s'appelle Florian, donc encore une fois gros bisous à toi, sur ta face gauche, qui m'avait détaillé de manière assez imagée qu'est-ce que c'était que l'acte à la SOPA. Alors je vais raconter son histoire un petit peu à ma manière. Donc alors c'est comme si tu prenais une recette de poulet et que tu l'as donnée à ta femme, et le jour où ta femme en fait elle reproduit la recette du poulet chez toi, et ben t'es hors la loi, les flics ils débarquent chez toi, ils prennent ton poulet, ils te le jettent à la poubelle, ils te le brûlent, et en plus tu te décodes d'une amende. Donc c'est un petit peu ça l'acta, enfin l'acta et la SOPA, je sais pas trop c'est trop quoi la différence, mais voilà, c'est un petit peu ça honnêtement. Enfin je précise, hein, c'est une recette que la femme avait trouvée sur internet, que j'ai oublié de le dire, mais bon. C'est triste quoi, mais où passe notre liberté? Ouh là là là. Mais où passe notre liberté? Où est-ce que l'on va, mes amis? Et je sais que je suis pas le seul à militer pour ça, mais décidément les noscopes ils rendent vachement bien, alors d'habitude c'est vachement hasardeux quoi. Ah, et finalement Michael Bone il m'a bien eu là pour le coup. Et décidé d'habitude. Merde. J'ai absolument oublié tout ce que je voulais dire. Où passe notre liberté? Vraiment.
Je me le demande. Bon, allez, vous savez quoi? On va essayer de se faire un petit truc assez joli là. Oh, lui, il a pris cher. Et puis, oui, ah voilà, ça y est, je suis pas le seul à agir avec l'ACTA et la SOPA. Enfin, contre l'ACTA et la SOPA, bon, pour vous dire, hein, des amis dans ma liste Facebook. Et oui, j'ai un Facebook, je suis pas encore reclus de la société. Ils ont plein de photos de profil, genre anti-ACTA, anti-SOPA, patati patata. Non, la rime, elle était pas du tout recherchée. Vas-y, sors ta tête. Humiliation. Et puis voilà, bah si quelqu'un peut me documenter dans la barre des commentaires, bon, me faites pas non plus un speech tout complet. Oh non, ça c'est génial. Non, j'ai essayé un truc mais c'était raté là. On va essayer de se prendre une petite classe sans froid, voilà. La classe M16, la classe que j'utilise en recherche à destruction. Il est où le navion? Allez, on va essayer un truc genre comme la vidéo. Comme dans une des vidéos des. Comment s'appelle? De Diablo X9 sur les top fails. Là, si vous aussi vous avez marre des campeurs, des UMP 45 qui ont la précision d'un fusil sniper et de la puissance d'un fusil sniper, des marathons poids léger commando, des capteurs cardiaques et j'en passe. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Pour la vidéo que je viens de citer, oui, bon, je dis un petit peu tout n'importe quoi, bah, elle s'affiche tout de suite à l'écran. 25-22, c'est un score assez honorable, avec quand même des super belles actions, hein, faut le souligner. N'oubliez pas de laisser un pouce vert, de lutter contre l'ACTA et la SOPA, c'est vraiment des trucs pourris qui vont nous pourrir la vie. Si ça se trouve, bientôt, on pourra même plus uploader sur YouTube. Et de laisser un pouce vert pour ce débat, mais alors où je me suis répété 40 000 fois, enfin bon, comme d'habitude. Et je vous laisse... Et je vous laisse là-dessus. Sur ce, à très bientôt mes amis, mangez des nems, ça vous fera le plus grand bien.